Alors, je suis arrivé sur l'île Saint-Louis à Paris. Ça, c'est les vedettes de Paris. Et ça, c'est vedette du Pont-Neuf. Je suis pas venu faire du tourisme. Je suis venu comme d'hab m'occuper des abeilles et des frelons. Donc là, on a Mathieu qui a la chance d'habiter sur un toit de Paris presque, donc sur l'île Saint-Louis. Donc il a récupéré un essaimage que je lui ai donné il y a pas longtemps. J'arrive même pas à me rappeler quand, ça fait un petit moment. Et il a installé sur une terrasse tout en haut. Donc c'était une petite colonie, hein. Je lui ai donné ce que j'avais quand il m'a demandé un essaim. Et d'après ce qu'il m'a dit, il y a pas mal d'abeilles, donc c'est bien. Ça veut dire qu'elles se sont bien développées. Là, tout à l'heure, quand je marchais, j'ai vu un gros frelon passer à ma hauteur très lentement. Donc en fait, il y a pas mal de frelons dans Paris. Les frelons ont la réputation d'être assez présents en agglomération, plus qu'en campagne. Donc il m'a dit qu'il y avait des frelons devant sa ruche. Donc on va voir combien. On va mettre une tente. Peut-être qu'on fera une vidéo avant, après, qui sait. Et puis on va aussi faire un traitement à l'acide formique contre le varroa. Là, c'est le programme. Allez, une dernière vue du pont là. Ah, c'est quoi ce pont là? Pas moi. Quai de Béthune. Pont de la Tournelle. Allez, pause. Je vais grimper par là-haut. Voilà, là je suis sur le toit direct. On voit Notre-Dame au loin. Et là la ruche qui est ici. Alors là faut vraiment pas flipper. Et moi je flippe dès qu'il y a de la hauteur. Je peux filmer l'installation, hein, Mathieu? Hein? Donc la ruche est là. Avant on l'avait mise là. C'est bien de l'avoir rapproché là. C'est mieux. C'est mieux. Et là on va mettre une tente, il faudra faire gaffe qu'elle ne s'envole pas. Ah non, des frelons, non, il n'y a pas de frelons. Il y en a beaucoup. Ils se mettent devant, ouais. J'en ai même vu un dans la rue, dis donc. En pleine rue comme ça, le frelon à côté de moi. Un gros frelon en plus. Mais c'est connu que dans Paris, il y en a pas mal. Et ouais, une première invasion et puis toute la journée, c'est un défilé. Ah ouais, il fallait me le dire avant. Fallait me le dire. Je ne m'en rendais pas compte. Après, tu t'es rendu compte après? Regarde pas tous les 4 matins. Donc c'est bien, t'as vu, t'as même une guêpe qui est venue. C'est bien que tu dis qu'elle s'est un peu développée parce qu'elle n'était pas grosse la colonie hein, au départ. Ben, je m'en rends pas compte, mais bon, on va voir. J'ai quand même levé tous les panneaux. Là ça va, elle te fuse pas dessus quand tu ouvres. Sur le calme. Je vais mettre la combi en fait. Ah ouais, tu la mets d'habitude. Ouais. Tu vois, c'est un peu vide, on voit que c'est vide. Ah ouais, quand même. Ah non, c'est bien. Ah ben, c'est vachement bien, t'as un bloc, t'as les. Il y a un bloc de miel complet, c'est celui-là, je crois. Un cadre, hein. Ouais, c'est pas cadre, beaucoup. Pardon. Ce qu'il faut voir, c'est si on leur donne, si tu les nourris, si elles vont pouvoir stocker. Moi, je pense que ouais, tu les nourris aussi longtemps qu'elles acceptent, et puis après, tu mettras du candy, et le candy, elles le stocke pas. C'est quoi du candy? C'est la même chose que le sirop, mais en pâte. Ok. Donc, ouais, tu vois, il y a des blocs libres. En bas, je crois qu'il n'y a pas de... J'ai pas soulevé, mais je crois qu'il n'y a pas de... Ouais, non, c'est sûr qu'il n'y a rien. Non, ça c'est sûr qu'il n'y a rien. Sinon, j'aurais construit plutôt en haut d'abord. Bon ben, tu peux les refermer, il fait pas super chaud, on a vu. Là, je vais faire une pause. Voilà, on est en train de regarder, voir si on peut pas mettre la ruche plus près du balcon. Et là, là, on peut enlever la table, et là, il y a une aération. Et si c'est de l'air chaud qui sort, je me dis que ça peut être bon pour la ruche, hein, surtout en hiver. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi ne pas leur donner une climatisation, ça serait marrant. Je vois mal que ça puisse leur nuire, hein. Donc on va regarder si on peut faire ça, ça serait rigolo. Allez, je fais une pause. Donc voilà, on a fait l'installation.
ça s'est bien passé. On va, les consignes, c'est de bien arrimer la tente. On a un petit poids en bas qui n'est pas un parpaing mais qui est pas mal. Et il faut arrimer pour qu'en cas de coup de vent, ça parte pas en bas. Donc le principe là, c'est que des frelons, c'est Quasimodo ? Non, c'est pas Quasimodo. Quasimodo, c'est là-bas. Je vais attendre parce que là, moi, je... Ça dure longtemps ? T'as pas fait quelque chose avec la maire de Paris pour qu'elle arrête un peu ce... Un super beau cadre. Faut juste pas être somnambule quoi. Sinon c'est flippant moi. Ouais. Ouais, ça ne dure pas longtemps. Là, ça aurait été bien pour te montrer avec un frelon, mais tu le verras. Hein. Donc le frelon se présente en bas devant l'entrée parce qu'il chasse en mode stationnaire de base. Lui, ça lui fait pas peur de rentrer dans la tente, donc c'est bien. Souvent, il capture une abeille ou alors il fonce sur une abeille qui est posée sur le voile à l'intérieur. Il l'attrape et une fois qu'il l'a attrapé, il est foutu. Il est foutu parce qu'il va naturellement, il va monter en haut de la tente pour s'échapper. Pour lui, la tente c'est pas fermé. S'il avait l'impression que la tente s'est fermée, il sortirait. Mais pour lui, ça va, c'est ouvert, c'est lumineux, c'est pour ça que c'est blanc. Donc pour lui, il a l'impression que c'est bon, il part vers le haut. Une fois qu'il est en haut, il va redescendre un peu, et après il va remonter pour partir. Donc du coup, il est coincé. Il cherche à descendre, mais rapidement, il dit non, il faut aller vers le haut. Okay. Du coup, il reste coincé là. Après, une fois qu'il est là, il prend toujours les grandes longueurs. Donc il va voler là, comme ça. Il va voler de gauche à droite, de droite à gauche, comme ça, sans arrêt, en essayant de taper avec son abeille. Après, son autre critère, c'est de monter. Ah ouais, là, le vent. Il monte. Donc, quand il monte, quand il va arriver ici, il va monter dans la poche parce que c'est plus haut. Une fois qu'il est dans la poche, il va faire la grande longueur. Dès qu'il va, il va se déplacer comme ça. Et à un moment donné, il va se présenter devant l'entrée de la bouteille. Et quand il est devant l'entrée de la bouteille, c'est un peu plus ouvert, il se remet à voler un petit peu et après il rentre dans la bouteille, quand il est dans la bouteille c'est fini. Même s'il arrive à sortir un peu la bouteille, certains arrivent pour l'instant avec cette bouteille, mais on va trouver mieux. Même quand il sort un peu la bouteille, il se met à l'entrée de la bouteille et il revient et au bout d'un moment il reste captif dans la bouteille et c'est fini. Okay. Et là c'est vachement pratique parce que pour le coup, pour nettoyer, tu as juste à prendre la bouteille, à la vider et c'est tout. Par contre, ça les tue pas du tout, donc faut mettre de l'eau pour les noyer. Hein. Ouais. Même une nuit entière, ça les tue pas du tout. Ah, le risque, il est pas avec la bouteille. Le risque, c'est surtout quand t'as plusieurs tentes, c'est que tu frôles et tu t'attrapes des frelons avec ton habit. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a plusieurs frelons qui restent collés, qui sont moribonds, ils bougent plus, mais par contre, ils sont encore vivants. Et si tu les ramènes avec tes vêtements, tu peux te faire piquer. Donc, faut faire gaffe à... Quand tu manipules le voile, tu regardes où tu mets tes mains. Sinon, c'est pas super grave de se faire piquer. Hein. Je me suis fait piquer plusieurs fois, c'est pas pire. Ouais. Ouais. C'est pareil qu'une abeille. Hein. Ah oui. C'est pas. Point de vue puissance et tout, c'est pareil qu'une abeille. Ok, d'accord. Mais par contre, c'est pas tout à fait pareil parce que t'as pas la main qui gonfle complètement. Par exemple, t'as que le doigt qui gonfle, pas la main. D'accord. Et au bout de ça, il lance pendant 2 heures et après, c'est fini. Ça se dégonfle. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'avec les. À la limite, c'est. C'est moins agressif que les abeilles. Ouais, le sanglage, ouais. Tu peux passer du temps à réfléchir à ça, ça vaut le coup. Hein. Parce que le jour où ça pète, tout s'envole. Hein. Allez, c'est bon, moi je te. Eh, c'est bon l'abeille, c'est bon. Une abeille qui était sur ma tête. Allez, j'arrête la vidéo, c'est terminé, on a fait l'installation. On va faire le traitement anti-varroa et ce sera bon. Allez, pause. Ça va pas aller en s'améliorant. Hein. Voilà, on a terminé le traitement. Bon, j'ai fait comme d'habitude. Hein. J'ai mis à la louche de l'acide sur le doseur. Et puis, on a mis par-dessus. Et puis, on a remis le couvre-cadre à l'envers. On a remis le toit. Et c'est bon, il va laisser une petite semaine. Et puis c'est marre.
on aura fait le boulot. Donc là, il y a quelques abeilles. On a déplacé la ruche, donc il y a des abeilles qui volent un peu là dans tous les sens, qui cherchent l'entrée. Elles vont le retrouver. Et voilà. Là, c'est terminé pour cette installation. Allez, cette fois, vraiment fin de la vidéo.